c'est Saïdou Madiane. Je suis de la région de Gorom Gorom, en Oudala, de Tinaïdial, plus précisément. Je suis un Touareg et je suis un éleveur. Et je suis le président de l'Union des groupements de la joie de l'Oudala depuis 80 et jusqu'à 85. L'Union des groupements villageois est née en 73. Il y avait eu des problèmes de sécheresse où il y avait plusieurs villages qui étaient un peu bouleversés. Alors suite à ça, à partir de 74-75, on a constitué des groupements dans les villages. Alors ces groupements ont fonctionné 2-3 ans. Après, on a eu l'idée de constituer l'Union des groupements villageois parce qu'on pense que l'Union a plus de force qu'un seul groupement. C'est pour faire surtout face aux problèmes des vivres, parce que les vivres manquaient au Sahel, donc il faut se solidariser pour pouvoir les chercher à l'extérieur. L'aliment de base, le vrai aliment de base, c'est le lait, pour les éleveurs en tout cas. Et maintenant vient le céréal, le petit mil, le sorgho et toutes les autres céréales. Mais l'aliment préféré pour les éleveurs, c'est le lait. Le lait frais, le lait caillé. Malheureusement, maintenant, il n'y a pas assez de lait parce qu'il n'y a plus assez de pâturage. Ce qui fait que maintenant, il faut associer le céréal et le lait. Qu'on a dit qu'il serait mieux qu'on crée une union de groupements. Ce que nous souhaitons, c'est que nous pouvons gérer nous-mêmes l'avenir de notre région, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'approvisionnement en céréales, de ce stockage de bétail, que ce soit des activités que, menées par la population de l'Oudala même. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir faire ça à leur place. Ce sont eux-mêmes qui vont le faire. Je crois qu'ils l'ont déjà commencé. À 370 km au nord de Ouagadougou, Gorom Gorom, 3000 habitants, capitale du Sahel burkinabé, le siège de l'UGVO. Pour entrer dans l'UGVO, il y a d'abord les mois où une année, si vous voulez, d'essai. On essaie d'abord le groupement. Il faut qu'obligatoirement qu'il assiste à toutes les réunions. Donc manifester son désir de travailler avec les autres. Et après, au bout de 3-6 mois ou un an, le groupement qui veut s'adresser à l'UGVO doit verser une cotisation. Les premières cotisations nous ont permis de construire le magasin central de l'UGVO où on posait tous nos céréales avant de les envoyer dans les différents villages. C'est nous-mêmes qui avons pris l'initiative des pharmacies, du de stockage des animaux, de l'approvisionnement en céréales et tout ce qui concerne les activités menées par l'UGVO. Ah, type, ça va? Bien. Il y a un problème, non? Oui. Vous avez venu pour des produits? Oui. C'est une commande. Oui. D'accord. Tenez, ah, votre commande vaut tout un carton. Ah ouais, comme ça. Mais ça monte à une somme de 4625. Oui, merci bien. Au revoir. La soudure, c'est la période comprise entre le mois d'août à novembre. Si vous voulez, c'est la période de l'hivernage où il y a peu de céréales. Les nouvelles céréales aussi ne sont pas arrivées en maturité. C'est là qu'on appelait la soudure. Seulement, malheureusement, dans ces années-là maintenant, toute l'année est une soudure parce qu'il n'y a plus assez de céréales dans la région. Donc, il faut tout apporter des autres localités.
L'IGBO est découpé en 5 zones. Et il y a la zone de Gorom, la zone de Salmossi, la zone de Marcoy, la zone de Kolezena et la zone de Woussi. Dans chaque zone, il y a un magasin de stockage de l'IGBO. Donc l'IGBO achète les céréales et les achemine directement dans les magasins des zones. Au Sahel, les animaux, toutes ces dernières années, ont des problèmes de pâturage. Le déstockage a des objectifs. D'abord, diminuer la quantité d'animaux qui est sur le pâturage très surchargé, pour que ce qui pourrait pousser suffit à ce qui va rester comme animaux. Le deuxième, c'est de donner aux éleveurs un pouvoir d'achat en vendant leurs animaux, par exemple en Côte d'Ivoire. Ils gagnent plus d'argent pour s'acheter des céréales que de les vendre sur les marchés locaux. Il faut faire les démarches vers le mois de novembre, décembre, pour pouvoir commencer janvier, février à décembre. Il y a encore un peu d'herbe et d'eau. Donc c'est la période où on commence à descendre les animaux vers Ouagadougou. On détermine un jour où on doit amener nos animaux dans le parc de vaccination. Là, on signale à l'infirmière vétérinaire telle vaccination, on a tant de têtes à vacciner. Donc ce jour-là, il vient, il vaccine les animaux, on fait les marquages. Les marquages, on met la date, on met le numéro de l'animal, le propriétaire de l'animal, la couleur de l'animal, donc l'âge de l'animal, le poids de l'animal, et après, en dernière colonne, c'est le prix maintenant. Les lots de 100 hein, sont conduits par 3 bergers. Donc ces 3 bergers sont nourris, si vous voulez, par les GVO, en attendant la vente des animaux. La durée du trajet, ça fait 15 jours, 2 semaines en gros, pour arriver à Lombina. Ça représente à peu près dans les 370 km ou 400. Les animaux perdent du poids sur le voyage et perdent encore du poids au parc de Lombila même. Le voyage jusqu'à Ouagadougou, là maintenant les animaux sont piégés et après acheminés sur la gare, embarqués dans les trains et envoyés en Côte d'Ivoire. S'il y a des problèmes qu'il faut résoudre à un haut niveau, ce qui m'oblige tout le temps de descendre à Ouaga. Si c'est pour les céréales, il faut parfois voir le ministre du Commerce pour lui poser des problèmes. Donc il faut voir soit le secrétaire général ou le ministre qui doit dire à l'offenseur de livrer telle ou telle quantité à l'IGVO. Même chose aussi pour les autres activités, par exemple la commercialisation du bétail. Parfois c'est bloqué, on est obligé de descendre à Ouaga pour essayer de rencontrer les camarades présidents du FASO pour lui poser les problèmes. C'est ce qui nous oblige toujours de descendre à Ouaga. Et quand c'est débloqué, il y a maintenant l'envoi des animaux. Il faut suivre au niveau des l'ONERA. Vous savez que toujours il faut un peu bousculer pour que les choses marchent. Et grâce à votre critique de ce qui a été fait cette année, on va pouvoir voir comment améliorer les conditions de l'opération pour l'année prochaine. Donc, camarade directeur, il s'est posé un problème de perte de poids. Il y a d'autres qui disent que les animaux ont perdu le poids en cours de route. Il y a d'autres qui, les éleveurs disent que les animaux ont perdu le poids dans les attentes à Lombila. Mais quand même, on souhaiterait qu'il y ait une bascule pour pouvoir peser les animaux au départ à Nougaland et une bascule au niveau de Lombila pour pouvoir peser les animaux à l'arrivée. Pendant la saison sèche, il y a des pertes de poids, pas de transport à pied, et pendant la saison des pluies, il y en a beaucoup moins. La présence de bascules à Gorom Gorom et à Lombila pourrait nous faire apprécier ces pertes de poids.
On souhaiterait que ça continue, que ça ne soit pas une opération ponctuelle. Cette année, nous avons eu à organiser un déstockage d'urgence en direction de la Côte d'Ivoire, qui a bien voulu nous prendre environ 13 000 têtes de bovins, dont les vôtres. Nous souhaiterions que l'année prochaine, l'organisation se fasse mieux dans le cadre d'avoir un déstockage permanent. À une heure de piste de Gorom Gorom. Là, je les expliquais comment la commercialisation du bétail, comment ça s'était passé dans un travail comme ça où vous savez qu'il y a toujours des problèmes. Donc, j'explique les animaux, par exemple, crevés, les animaux refusés par l'ONERA. Et après, j'explique le prix du kilo. Kilo vif par tête. Et après maintenant, je donne à chacun ce qu'il a droit. Donc à chaque réunion, on discute de l'avenir de l'IGBO. Donc à chaque groupement, je remets la totalité de la vente de ces animaux. C'est la première distribution. La deuxième distribution maintenant, on passe par la distribution au niveau du village. Et ce qui consiste à remettre à chaque éleveur la vente de son ou de ses animaux. Donc il y a d'autres qui ont envoyé une tête, d'autres qui ont envoyé deux ou trois têtes. Donc sur place, on leur remet la totalité de la vente de leurs animaux. Pour la viande séchée, on faisait ça traditionnellement depuis longtemps. C'était seulement pour la consommation. Mais cette année, on se trouve avec un problème qui nous pousse à essayer de trouver une solution aux animaux couchés qu'on ne pourrait pas vendre sur Ouagadougou. C'est-à-dire que les animaux qui ne peuvent plus se tenir debout, ils sont couchés seulement par manque d'herbe, il n'y a plus de quoi à manger, donc ils ne peuvent plus se tenir debout. Ce qui nous oblige à essayer de trouver pour les éleveurs un peu de revenu sur les têtes couchées. Donc on garde la meilleure viande. On fait découper et puis tremper dans de l'eau bouillante, bien salée. Et après, étaler dans le séchoir. Il faut chaque jour venir remuer un peu, voir s'il y a des morceaux qui ne sont pas bien secs. Ainsi de suite jusqu'à, normalement, sur 72 heures, ça doit sécher. Si elle est vraiment bien séchée et bien salée, je crois que s'il n'y a pas d'humidité, on peut la conserver jusque 6-7 mois ou plus même. Peut-être il serait possible même dans l'avenir de faire des échanges de viandes séchées vers le sud et de céréales du sud vers le nord. Doumam, un village Sonrail à 20 minutes de piste de Gorom Gorom. Thank you.
Avant nous, notre épargne, c'est seulement le bétail. Vous vendez un bœuf, ce qui reste, vous achetez une autre génisse, ou vous achetez, même si c'est un âne ou une chèvre, il faut toujours avoir quelque chose à la place. Vous ne pouvez pas vendre l'animal et puis sans rien ramener. Donc, pour, si vous voulez le remplacer. Et ce système aussi, on a vu que ça ne va plus. Donc, on a vu des gens qui nous ont conseillé est-ce qu'on ne pourrait pas faire des caisses d'épargne. En discussion, les gens ont dit que vraiment ça pourrait être intéressant parce que dans les années où on est là, vraiment, il n'y a plus de confiance de garder son troupeau comme ça, en sécurité. Donc, il faut changer. C'est pouvoir mettre leur argent en épargne et avoir dessus un peu d'intérêt. Parce que l'intérêt, avec le premier système que je disais, vous achetez un taurillon de 1 ou 2 ans, vous le laissez 2, 3 ans, donc il a grandi. En revendant ce taurillon, ça vous rapporte plus d'argent que vous l'avez acheté le premier jour, bien sûr s'il n'est pas crevé. L'assurance avec les caisses d'épargne, et qu'on est sûr que ce qui est dedans ne va pas crever. Le premier coffre-fort qui arrive dans l'Oudalan vont arriver ou sont arrivés dans 6 villages. Et les gens, vous savez qu'ils sont tous illettrés. Alors, leur seul moyen de faire le travail de ces gens, c'est la confiance. Alors, c'est eux qui savent à qui ils ont confiance. Donc, c'est eux qui choisissent leur gérant des caisses et qui suit après une formation qui lui serait donnée par l'assistant technique du CIDR sur le terrain. Sur certains qu'ils auront une formation. La caisse d'épargne servira beaucoup de choses à Douma. Ça servira à leur fournir de faire de crédit entre eux-mêmes, sans souffrance. À Boulsa pour inaugurer un magasin populaire, le président Sankara déclarait l'éleveur qui jusque-là dédaignait de toucher à la tabac, à la houe, à l'agriculture, va devenir de plus en plus un agriculteur, va cultiver, va s'adonner à des cultures de plantes fourragères, parce que nous voulons que désormais chaque éleveur mesure le prix qu'il doit payer pour son élevage, l'élevage extensif, l'élevage contemplatif, l'élevage de cueillette. C'est fini. Et pour cela, il faut imposer que les bœufs, que l'élevage de manière générale, soit suivi de façon rationnelle. Il vaut mieux avoir peu de têtes de bœufs, mais rationnellement entretenues, qu'un grand troupeau qui erre, qui dévaste et qui appauvrit les sols chaque jour. Et cela amène à bouleverser les habitudes et les traditions. L'IGVO est un exemple de courage, est un exemple de lutte. Car vous savez que l'Oudalan, c'est d'abord une province qui est très mal nantie. Il y a très peu d'eau qui tombe, il y a très peu d'infrastructures et la région semble un peu abandonnée. Eh bien, cette union du groupement villageois de l'Oudalan vient en appoint des efforts que nous faisons et prend le relais des mots d'ordre que nous lançons, du travail que nous effectuons au niveau central, pour que dans un langage simple, direct, accessible par les paysans, ces mots d'ordre-là soient traduits et soient concrétisés. C'est pourquoi nous soutenons beaucoup l'UGVO et l'UGO. Nous pensons qu'au contraire, il faut que ce modèle puisse aller dans d'autres régions du pays comme forme de courage. Il y a certes des groupements villageois ailleurs, mais qui sont autrement plus nantis et ont moins à faire face à une nature beaucoup plus chez eux, qui est quand même plus clémente. Donc les mérites ne se comparent pas. En tout cas, pour le moment, on s'occupe seulement de l'Oudalan. Pour dire que le Sahel est condamné, moi je ne suis pas d'accord. Il faut travailler seulement. Je ne suis pas d'accord. Hey. Oh, c'est pas seulement l'argent qui peut sauver le Sahel, il faut le travail aussi. L'argent peut sauver ce qu'il peut sauver, mais il faut le travail, il faut travailler le Sahel.
de Kinangial plus précisément. Je suis un Touareg et je suis un éleveur et je suis le président de l'Union des groupements villageois de l'Oudalan depuis 80 jusqu'à 85. Ce que nous souhaitons, c'est que nous pouvons gérer nous-mêmes l'avenir de notre région, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'approvisionnement en céréales, de ce stockage de bétail, que ce soit des activités que menées par la population de l'Oudalan même. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir faire ça à leur place. Ce sont eux-mêmes qui vont le faire. Je crois qu'ils l'ont déjà commencé. La soudure, c'est la période comprise entre le mois d'août à novembre. Si vous voulez, c'est la période de l'hivernage où il y a peu de céréales. Les nouvelles céréales aussi ne sont pas arrivées à maturité. C'est là qu'on appelait la soudure. Seulement, malheureusement, dans ces années-là maintenant, toute l'année est une soudure parce qu'il n'y a plus assez de céréales dans la région. Donc, il faut tout apporter des autres localités. Je vais découper en 5 zones. Et il y a la zone de Gorom, la zone de Salmossi, la zone de Marcoy, la zone de Korezena et la zone de Woussi. Dans chaque zone, il y a un magasin d'essage de l'IGBO. Donc l'IGBO achète les céréales et les achemine directement dans les magasins des zones. Au Sahel, les animaux, toutes ces dernières années, ont des problèmes de pâturage. Les déstockages à des objectifs. D'abord, diminuer la quantité d'animaux qui est sur le pâturage très surchargé pour que ce qui pourrait pousser suffit à ce qui va rester comme animaux. Le deuxième, c'est de donner aux éleveurs un pouvoir d'achat. En vendant leurs animaux, par exemple en Côte d'Ivoire, ils gagnent plus d'argent pour s'acheter des céréales que de les vendre sur les marchés locaux. Il faut faire les démarches vers le mois de novembre-décembre pour pouvoir commencer janvier-février à décembre. Il y a encore un peu d'herbe et d'eau. Donc c'est la période où on commence à descendre les animaux vers Ouagadougou. Pour le moment, on s'occupe seulement de l'Oudalan. Pour dire que le Sahel est condamné, moi je ne suis pas d'accord. Il faut travailler seulement. Je ne suis pas d'accord. Voilà, le Burkina Faso. Alors ça va tout à fait dans le sens de ce que vous préconisez, ce que vous souhaitez, c'est-à-dire qu'on cesse d'assister ces pays en voie de développement, mais plutôt qu'on les aide à s'organiser eux-mêmes. Oui, tout à fait. De toute façon, ils sont déjà organisés pour la plupart. Et un des principaux problèmes des paysans sahéliens à l'heure actuelle est de s'approvisionner en mil, en sorgho ou en maïs même, surtout dans les zones déficitaires. Parce que même en année de bonne récolte, comme cette année, il y a des zones déficitaires. Et quelquefois, à 100 ou 200 kilomètres de ces zones, il y a des surplus. Le tout est d'y avoir accès et d'avoir les moyens d'y avoir accès. D'où l'organisation de ce que vous appelez des campagnes triangulaires. C'est un peu le thème de votre campagne. Une opération triangulaire consiste à aller chercher dans une région en surplus ce qui n'existe pas dans la région déficitaire. Et pour cela, il y a des intérêts absolument énormes à faire ce type d'opération. C'est-à-dire que côté producteur, les producteurs qui ont une juste rémunération de leurs produits vont pouvoir continuer à semer. Et côté consommateur, si je puis dire, les consommateurs vont revendre, enfin les banques de céréales vont revendre et vont pouvoir constituer un fonds de roulement qui va leur permettre de recommencer sans aide l'année suivante. Alors Afrique Verte, c'est une campagne lancée par 3 organisations. C'est ça, c'est Terre des Hommes, Frères des Hommes et Peuple Solidaire. Concrètement en France, ça se traduit par quoi? Tous les groupes locaux vont intervenir en France pour vendre des bons de mille, de façon à ce que la solidarité française s'exerce en sachant à quoi elle va servir. Et il y a du travail à faire parce qu'il faut qu'on récupère de quoi véhiculer 10 000 tonnes. Voilà, Afrique verte donc. Merci Annie. L'émission va s'achever maintenant. Encore quelques livres et aussi quelques images. Les images, ce sont celles du défilé d'Amnesty samedi dernier.
Vous étiez